La Cénoféerie de Semblançay, ce sont plus de 600 bénévoles, tous dévoués à un spectacle où chacun y trouve sa place, où chacun est important. Comme chaque jour, juste avant le spectacle, Sylvain, l'un de ses bénévoles, vient nourrir les chevaux. Moi, je suis rentré dans la Céno déjà un peu par hasard. J'ai entendu parler qu'ils avaient besoin de cavaliers. Donc ça faisait, à l'époque, ça faisait 2 ans que je faisais du cheval et j'ai envie de monter un peu différemment que l'obstacle. Donc c'était déjà un intérêt d'aller faire du cheval autrement. Et puis après, une fois qu'on a mis les pieds dans le spectacle, on reste dedans, quoi, pour s'en aller. Mais Sylvain n'est pas seul. Il est rejoint par Julie et Hélène. L'esprit du bénévolat, je pense que c'est participer à un grand projet où il y a énormément de bénévoles, partager du plaisir et aussi en donner du coup au public. Nettoyer, se préparer, les esprits sont concentrés. Tout doit être à la perfection. Comme les athlètes, les chevaux sont préparés et filent pour leur entraînement sous l'œil averti de Charlotte. Bah, c'est sûr que c'est un investissement, ça prend beaucoup de temps personnel, ça c'est sûr. Mais après, je trouve que le retour, que ce soit au niveau du plaisir de jouer, parce que bah, ça reste un plaisir. Côté coulisses, Zoé et les autres artistes se préparent. Il y a les chevaux qui sont prêts toute la semaine et on fait des rôles pour des tours pour aller les nourrir et on se met une blague à chaque fois le matin, celui du matin il met une blague pour le soir et à la fin de la semaine pour les spectacles il y a un rôle à la Prévost, il doit partir tout seul, c'est un messager, il doit amener un message à des gens qui sont à pied et en fait on leur met toujours des blagues et on sélectionne la meilleure de la semaine. Quelle est la différence entre un chat et un homme? Aucun, ils ont tous les deux peur d'un aspirateur. Jeunes et moins jeunes se mélangent, l'occasion de partager les expériences des uns et des autres. Que ce soit les combattants, que ce soit la cavalerie, que ce soit au village, je pense que tout le monde vit ça quand on dirige les groupes. Et à un moment donné, tu sens que tu ne peux plus apporter la même chose. Tu n'as plus le même feu sacré, tu n'as plus la même force pour entraîner les gens derrière toi. Donc c'est à ce moment-là que les jeunes arrivent et ça s'est toujours pas trop mal goupillé quand même. On a toujours trouvé des gens pour prendre la relève. Enfin, pour moi, faire du bénévolat, en même temps monter à cheval, faire du spectacle, tout est bénéfique.